Bonjour, je m'appelle Martine Motard-Noir, je suis professeure de français dans le département de langues étrangères à McDaniel College. Le 10 mars, nous avons accueilli plusieurs lycées des environs, avec leurs professeurs bien sûr, pour notre 8e journée du français. Notre but, comme toujours, est de célébrer la langue et la culture française, et puis aussi de montrer aux étudiants ce qu'est un campus, ce que c'est que d'avoir des professeurs d'université. Ce que nous faisons tous les ans et depuis des années, c'est que nous proposons une variété d'ateliers et de cours sur la langue et sur la culture. Bien sûr, les professeurs de français enseignent tous ces cours et tous ces ateliers, mais nous avons aussi des collègues dans le département de cinéma et de communication, mais aussi le département d'anglais qui nous aident avec des ateliers, par exemple, sur le cinéma français ou encore sur la littérature française médiévale. La journée, bien sûr, finit avec le plus important, c'est-à-dire un déjeuner français, authentique. Et puis, bien sûr, aussi très important, c'est les musiciens. Nous avons en général toujours un concert de musique après le déjeuner. Et cette année, c'était un récital de musique manouche, des années 1930-1940. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, allez en ligne, on s'est trop amusé, il faut que vous vérifiez.